Salut à tous, c'est Falcor sur GTA San Andreas et dans cette vidéo on va s'intéresser aux missions. Dans le guide officiel ils disent camionnage, mais c'est super moche donc on va dire routier. Il y en a 8 à faire et bah voilà, je vais faire les 8 dans la même vidéo, donc grosse vidéo. Voilà. Donc c'est pas très loin, heureusement. Eh, ça freine bien quand même, hein. Oh! Oh putain. Ça tourne bien aussi. Ah. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Oui, bah je fais ce que je peux. Là, je suis pas bien placé en fait. Merde. Oh là là. C'est pas du tout la galère. Ah, puis alors, si vous le poussez, je vais pas y arriver. Hein. Attends. On va faire ça. Voilà. Ce sera plus simple. C'est bon là, putain. Ah, quand même. Je fais comment? Voilà. Allez. Bon, je suis pas sûr d'y arriver à l'heure, mais au moins. Au moins, voilà. On a réussi à régler le problème à 5 secondes de la fin, je crois. Putain, j'ai 30 secondes pour y arriver et empocher mes 1000 $. Je prends un raccourci. Putain! C'était quoi ça? Attends, je fais un gros camion là et c'est. Cette petite merde qui me. Ah! 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 Mais cassez-vous! Cassez-vous! Putain, mais ça aurait été bon s'il n'y avait pas eu ces deux connards de camions. Bref, allez, je vais retourner là-bas pour faire la suivante. Allez, donc, m'y voilà. C'est parti pour la deuxième. Ouais, routier, il y a bien marqué routier. Hein. Alors, c'est censé être de plus en plus dur. Ah, et puis en plus, faut pas de dégâts là. C'est la petite différence. Silence. Bon, je me fie au GPS. Alors, attention, cette fois. Essayer d'y aller proprement. Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Bon, ça va être vite fait. Voilà, petite pointe de vitesse. Y a pas une... Ah non. Au niveau de la caméra, c'est pas parfait. Hein. Oula. Bon, c'est bon. Aucun dégât, tout va bien. Mais cette caméra! Je sais pas, ils sont pas dit, oh. Là, le camion, il va peut-être gêner un petit peu. Attends,
Immersion complète. Voilà. Comme ça, je vois pas du tout moi, ma cargaison. Pointe de vitesse. Ah, attends, je sais pas si je suis freiné automatiquement. Wouhou! Eh ben, on retourne sur place pour la troisième. Allez. Allez, nous y revoilà. Marchandise illégale, donc là, indice de recherche, évidemment. Non? Ah, non, ça va attirer les flics. Donc, dès qu'ils vont me voir, ça va être la merde. C'est parfait. J'adore. Ah! Ok! Attends, mais on dirait juste du fumier, là. Vous foutez de moi? Une 2000. Juste, voilà. Donc, là, il n'y a pas de question à se poser. C'est forcément le max. Ah, ça clignote? Ah ben non. Oh, excusez-moi. Oh, pardon. Ah oui, alors en plus, il y a les émeutes. Donc ça va être... Ah ben d'accord, il y en a partout. Ah, il me fait passer par là. Bah écoutez, pourquoi pas, hein, une bonne grosse route bien... Bien propre, ça peut être pas mal. Oula! Dangereux ça! Merde, pourquoi je suis passé par là? Trop con. Je peux faire demi-tour. Je vais essayer. Faire une petite boucle. Histoire de retourner là d'où je viens. Ouais, voilà, c'est que je suis allé tout droit, mais il fallait pas, fallait tourner. Aïe aïe aïe, la boulette. Ah là 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 là. Ah, en même temps c'est discret, hein, faut le voir. Wow. Cargaison qui a failli s'envoler. Y'a un tag. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh, par contre, ils abusent, parce que là, ça va me faire une trotte, là, pour retourner... là où je prends l'émission. Voilà. Bah, ils m'ont pas plus dérangé que ça, en fait, les flics. Ça va? C'était tranquille. Tut tut. Oh, pardon, excusez-moi. Et voilà. Ah, puis les flics m'oublient, alors ça c'est beau. Bon, en tout cas, voilà, il faut que je retourne jusque là-bas et ça fait loin. Allez, on va pouvoir attaquer la quatrième. Hop. Ok, il faut juste livrer des marchandises. Oh, ok. Si je suis en retard, je perdrai de la thune. Donc c'est exactement le même principe que le premier. Faites pas de courte poursuite là où je suis, j'aime pas ça. Attends. Est-ce que c'est vraiment... Ah oui. Ouais, ça aurait été difficile de faire mieux.
Parce que c'est un peu chiant là de devoir se taper le zigzag là qu'il va y avoir. On fait pas tomber dans la mer. Ce serait dommage. Oh, tu. Voilà. Ouais, je regarde s'il n'y a pas des raccourcis là. Après 1815, ouais, franchement, ça va. C'est juste, voilà, chiant de devoir se taper cette partie-là. Pourquoi il y a autant de circulation? C'est pour m'emmerder? C'est pas gentil. Voilà. Pauvre camion, là, il est en souffrance. Et une maison à moi, pas loin. La grande maison de campagne. Allez, casse-toi. Merci. On peut profiter de la vue. C'est déjà ça. Mais calme-toi. C'est bon, je vais être à l'heure. Bon, je pense quand même. Bon, à moins d'un pépin, bien sûr. Si je me retrouve encore à perdre mon chargement. Oh là là. Oh là, dégringolade. Ah, je suis le routier le plus calme de la planète. Ah, on va largement être dans les temps, oh là là. Ah, ils auraient même pu mettre 23h15. Wow, 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 wow. Putain, des fois, t'as l'impression que le camion il fait un AVC. C'est pas pratique, ça. Et voilà. Allez, il reste plus que 4, on y retourne. Ok. Allez, on enchaîne. Marchandise très fragile pour San Fierro. Même pas peur. Moi, ça m'impressionne pas. Ces marchandises sont super fragiles. Ouais, elles assistent bien là-dessus, ok. Donc, hein. Méfiance. Oyster Bassin? Alors attends, est-ce que ça va être la zone interdite ou pas? Bon, je suppose que non. Oh! Ah ouais, dis donc. Il n'a pas fallu grand-chose là pour que ça monte, pour que ça descende plutôt. Ouais, c'est en effet très fragile, hein. Pas de doute à avoir là-dessus. Ah, excusez-moi. Ah, j'ai déjà perdu un peu de thunes. Bah oui, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Bon, alors là, c'est la cata. Ouais. Ah, c'est bon, hein. Plus rien à foutre. Bon, de toute façon, avec la fortune que j'ai, hein, je suis pas... pas loin d'être à 4000 près. Là, je veux juste réussir, c'est tout. Allez, on sait qu'il y a une sacrée tempête. Je
Je pense qu'après je vais aller à l'aéroport et chourer un hélico pour rejoindre la zone. Ok, faut juste que j'aille là-bas. Bon bah ça va. Ça faisait un moment que j'y étais pas allé, dis donc, à Saint-Firou. Allez, on retourne là-bas. Bon, eh bien, il va nous en rester plus que 3, évidemment. Le plus dur est à venir. Allez, pose-toi calmement. Merci. Ça va encore être un truc avec des flics, ça. Voilà, comme par hasard. Ça faut encore que j'aille là-bas. What? Attends, mais non. Il veut me faire passer par des endroits vraiment dangereux. Avec... avec tous les condés au cul. Alors déjà, on va se calmer. Merci. Voilà. Bah normalement, il n'y a pas trop de risques. On a un véhicule qui est tellement lourd que ils peuvent pas trop nous bloquer. Là, le piège, c'est justement de vouloir se précipiter et de faire une connerie. Normalement, ça va. Voilà, il me gêne pas plus que ça. Hein. Hop. Ah. Ouais, je leur fais des blagues. Je suis un petit rigolo. Alors là, ils sont pas du côté qui m'arrange, par contre. Voilà. Prenez-vous bien les arbres. Et on se retrouve là-bas, ok? Salut. Haha. Je me mets côté... côté pas dangereux pour moi. Ouais, c'est tranquille en fait, c'est pépère même. Regardez-moi ça. Je les remarque à peine. Y a pas de flics, voilà, ils sont plus là. Ils ont laissé tomber. En même temps, il est 8h, ça doit être l'heure de la pause donut. Ah, y'en a un qui m'attend là-bas. Oh, qui est mignon. Voilà, salut. Salut. Ah, puis alors là, ça peut-être être chiant. J'essaie de faire un écart pour... pas avoir un virage trop serré. Alors, il y a des gens, mais on ne s'en occupe pas. Hein, c'est pas important. Hop là. Et ben voilà, il va rester plus que deux. Eh, ça avance bien. Hein. Voilà, on va pouvoir faire l'avant-dernière. Descendre là. J'ai dit. Merci. Elles doivent les livrer intactes. Ouais, bah, hein, c'est ce qu'on verra. Donc, au plus vite, sans les bousiller. Putain, j'ai du mal à voir où c'est au niveau de. Ils l'ont dit, hein. Un tir à Robada, peut-être, tout simplement. Ça m'arrangerait, comme ça, je pourrais aller chercher un peu de munitions de Milligan. Je coupe toujours la radio sur des missions longues comme ça où je suis longtemps en voiture parce que après ça se fait clay mais c'est super chiant. Eh bah c'est peinard pour l'instant.
Ah, quand même, c'est loin. Ouais, oui, bah je me doutais que là il allait commencer à m'emmener côté nord parce que ça, on s'éloignait de plus en plus. Quoique là, quand il m'a envoyé vers Ocean Dock, ah, c'était loin déjà là. Salaud. Je vais tenter le raccourci. C'est une très mauvaise idée, ça. Voilà. Alors, est-ce que j'ai vraiment gagné du temps? Eh ben, je suis pas sûr, du coup. Bon, si, quand même, attends, hé. Ah, le rocher! Putain, j'ai cru que c'était un rocher. Ok. Oh putain! Oh, elle est malade! Je peux réussir à le ramasser là parce qu'il est. Il fait la gueule là. Putain, mais c'est des ouf! Parce que, ok, moi j'arrive à contresens, mais ils sont arrivés comme des malades. N'importe quoi. Coco Pops? C'est pas les mêmes que ceux qu'on connaît, mais. Eh bien, c'est pittoresque. Ah, le temps est vraiment large. Je pense que c'était prévu, ouais, pour que ce soit fait. Enfin, pour que ce soit faisable sans endommager d'un poil. Mais bon, comme moi, je m'en fous pas mal. Mais évidemment, voilà. C'est pas pareil. Mais déjà, là, c'est bien, ouais, 5 000 dollars. Oh! C'est propre. Ah, salut monsieur l'agent. Et voilà, donc évidemment, je vais me taper une énorme trotte pour retourner là-bas. Je peux pas lui piquer sa moto là? Ouais, c'est un petit peu compliqué. Bref, je retourne là-bas. Ah bah tiens. Allez, on va pouvoir s'attaquer à la dernière. Évidemment, c'est la plus dure. Super illégal, attention. Dépôt de l'aéroport de Las Venturas, donc évidemment super loin, sinon c'est pas drôle. 4 étoiles, wouhou, trop cool. Voilà, donc je me fais agresser dès le début. Alors attends, j'ai pas trop envie de passer par là, moi. Je préfère passer comme ça. Calmez-vous. Cette cargaison a une drôle de tronche quand même. Hein. C'est un conteneur qui contient un dinosaure, non? Oh, excusez-moi. Pardon. Ah, oh, 4 étoiles, hein, c'est déjà bien. Hein. Au moins, on n'a pas de char d'assaut au cul. Oups. Voyons. Ouais, il est tombé dans le panneau! Ah! Casse-toi! Ouais, ça se passe bien! Ça peut paraître con, mais d'avoir le GPS, c'est bien. Ça fait un truc de moins à penser. Même si, bon, bah, des fois, voilà, on voit bien que l'itinéraire est pas parfait, qu'il faut adapter, mais. Voilà. Au moins on n'a pas le stress de. Oh là là, je passe par où? Oh là là! Ah, il me fait sortir comme ça. Et ben ouais, pourquoi pas? Ah! Ça se tient. Ah oui, d'accord. Oh, mais je peux. Attends. Je peux contourner là quand même. Ouais.
Voilà, regardez ça. Bah voilà, c'est tout. Ah, je peux plus bouger. Il a interloqué mon bonhomme. Ouais. Récupérer le blé régulièrement, bah bien sûr, bah oui. Ah bon, évidemment, tout ça m'emmène un petit peu loin de chez moi. Mais ça ne fait rien. Dans les futures missions, bah oui, bien sûr, je vais en refaire, hein, ça m'amuse de faire ça. Bon, en tout cas, voilà, c'est fini avec l'émission de routier. Donc voilà, c'était Falcor, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, des bisous.